Qatar pris de la forêt. 1400 mètres à parcourir pour des flyers avec un très bon départ à la corde du grandissime favori. Il s'appelle Limato. C'est la casaque verte toque blanche bien partie également en dehors. Le numéro 1, Carrar, qui fait le forcing et vient s'installer à son tour en tête de course. Carrar qui est en tête. Birchwood est maintenant en deuxième position. C'est le 6 en troisième position. La casaque rouge du numéro 4 suédois alors que Limato est côté corde 4 ou 5e. Suivi notamment par le gris qui est Jimmy Two Times alors qu'attendu. Le numéro 9 vient dans son doigt accompagné à son intérieur par le numéro 5 Coolsty qui vient encore avec Trixia. Trois concurrents qui sont en léger retrait à cet instant, notamment le numéro 2 Harrison alors qu'il passe devant le château sous l'impulsion toujours du numéro 1 Carrar. Birchwood qui est deuxième, Limato est troisième, Jimmy Two Times est quatrième avec le numéro 4 suédois qui vient également devant le numéro 2 Harrison. On retrouve également en léger retrait le numéro 10 Sam Jurisdiction. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec le numéro 1 Carrar qui est lancé à la corde par Grégory Benoît, mais Limato qui semble se rapprocher très librement maintenant venant à son extérieur, n'étant pas encore véritablement lancé par son partenaire Harry Bentley. Voilà qui est fait maintenant pour Limato, le numéro 3, qui maintenant va devoir résister à l'assaut final à l'extérieur de Suédois, numéro 4, mais également du numéro 9 attendu qui refait un petit peu le terrain. Mais Limato a l'avantage très nettement désormais. Limato qui s'envole vers la victoire dans le prix de la forêt. La victoire pour le numéro 3, Limato. Deuxième place pour l'Ascarar. La troisième pour Suédois. La quatrième pour le numéro 7, Jimmy Two Times. Victoire du favori, hein, Limato qui s'est baladé dans ce Qatar Prix de la Forêt. Il fait mieux que l'an passé. L'an passé, il avait dû se contenter de la deuxième place. C'était avant tout le cheval de classe du lot. Il le confirme, deuxième groupe 1 pour lui cette année après son sacre dans la July Cup au début de l'été. Une nouvelle victoire, il s'impose avec beaucoup de marge. Deuxième place pour Carrar qui se retrouve, le numéro 1. C'est bien ce qu'il fait aujourd'hui. Troisième place pour le numéro 4 suédois qui prend sa revanche par rapport au Maurice de Guest sur Jimmy Two Times. Ce coup-ci, il finit devant. Et Jimmy Two Times donc, qui doit se contenter de la quatrième place en chiffres 3, As, 4, 7 et 9. Limato très facilement, Dominique. Ouais, je suis en train d'essayer de préparer mon interview. With the overclass, nous dirons.